Quant aux conférences qui sont annulées, je veux rappeler là aussi qu'il y a des règles. Nous sommes en période électorale. Et M. Mélenchon, la France insoumise, n'a pas à privatiser des universités pour faire des meetings sur la cause palestinienne, alors qu'il n'y a pas d'égalité de traitement des candidats, alors que les moyens d'une université ne peuvent pas être mis à la disposition d'une campagne électorale, et vous le savez très bien, ils le savent très bien, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ne respectent pas les règles de campagne électorale, et oui, et en plus, ils font tout pour que tout le débat se fasse uniquement sur ce qui se passe au Proche-Orient. C'est une élection européenne, ils ne nous parlent pas d'Europe. Ils ne nous parlent pas de la France. Ils essayent de susciter un vote communautaire, clientéliste, de repli identitaire sur ce thème-là. Et ça, c'est aussi criminel, j'assume le terme.